Hey, salut à tous et à toutes, c'est Chou, on se retrouve pour la partie numéro 44. Après chaque présentation, il y aura trois vidéos pour chaque chaîne que j'ai préférée. Donc vous connaissez maintenant comment je procède. Donc c'est parti pour la partie numéro 44. Première chaîne YouTube, Yoko, chaîne déjà jugée, déjà mise dans le top, chaîne que j'ai présentée, tu sais ce que je pense de toi, ta chaîne est vraiment propre et complète, les vidéos sont dynamiques et fluides, difficile de trouver des défauts, peut-être donner plus d'humour, mais très bonne chaîne, je vous la conseille. Je te laisse un 9 sur 10. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo compte rendu vide grenier. Je suis allée en brocante dimanche dernier et j'ai trouvé des petits trucs sympas pour moi pratiquement donnés, hein, vu les prix. Alors je lance l'intro et on se retrouve juste après. Alors j'ai trouvé ce jeu là pour 3 euros. J'ai beaucoup aimé ce jeu en étant petite et c'est vrai que je l'avais pas encore dans la collection, donc du coup bah je suis contente de l'avoir trouvé. La boîte est juste un peu cassée là, mais il faut juste que je trouve une nouvelle boîte. Deuxième chaîne YouTube, Diablix RT. Chaîne ni propre ni complète, miniature à changer, titre à mettre plus en valeur, évite d'avoir le nom du logiciel sur les vidéos, le format des vidéos n'est pas adapté à l'écran, manque vidéo de présentation, tout à reprendre sur ta chaîne, pense tout est à reprendre à zéro, pense vraiment à ton tableau de bord, je te laisse un 1 sur 10. Troisième chaîne YouTube, le jeune de Cheb officiel. Pense à mettre des liens, des réseaux sociaux, à faire des titres plus accrocheurs et refaire certains titres et miniatures. Évite d'avoir le nom du logiciel sur les vidéos. Pense à plus travailler tes montages. Pense à beaucoup plus interagir avec tes abonnés et surtout à te détendre. Tu as quand même pas mal de défauts, mais ça partira avec le temps. Mais tes plus grands défauts sont l'aisance et le montage et la fluidité. Je te laisse un 5 sur 10. Quatrième chaîne YouTube, le loup rouge normal LRN. Manque lien des réseaux sociaux, certaines miniatures à refaire, ainsi que certains titres. La qualité de vidéo de la caméra est faible. Manque de montage, évite de filmer en vertical. Fais attention aux fautes d'orthographe. C'est quand même dommage, il y a des vidéos mieux que d'autres. Tout dépend du sujet, mais améliore-toi pour le montage. L'aisance et la fluidité, courage à toi, je te laisse un 5 sur 10. Quatrième chaîne YouTube, El Dragon del Fuego. Chaîne propre et complète, pense à rajouter une musique libre de droit à détendre, je te sens pas à l'aise. Donner plus de punch et à te montrer plus présent pour le montage et en animation, courage à toi. À part ça, tes vidéos se laissent regarder, courage à toi, je te laisse un 6 sur 10. Sixième chaîne YouTube, Cam of Dove. Chaîne propre et complète, tu devrais mettre une image de fond pour que la vidéo soit verticale. Voilà, pour pas que la vidéo soit que verticale. Je vois d'ailleurs que tu t'es arrangé le problème dans tes nouvelles vidéos, dommage que tu ne parles pas dans toutes tes vidéos. Essaye de baisser un peu le son du jeu pour mieux t'entendre, à plus te détendre, même si tu maîtrises le sujet. Pense à te détendre et à donner plus de punch. Je te conseille de faire des vidéos tuto sur Pokémon, ça pourrait aider les joueurs qui ne trouvent pas les solutions. Tu as quelques défauts qui disparaîtront avec le temps, mais tes vidéos, pardon, se laissent regarder. Courage à toi, je te laisse un 6 sur 10. Septième chaîne YouTube, My League. Chaîne propre et complète, très bien montée, les plans sont réfléchis, le montage est présent. Dur de te trouver des défauts, pense quand même à prendre un anti-pop avant pour éviter qu'on entende trop, pardon, mais sinon c'est parfait, je te laisse un 10 sur 10. Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on découvre UVA ensemble. On n'est pas là pour très longtemps, mais on a un programme assez chargé. Aujourd'hui on va voir des requins, donc on va aller, on va marcher, on va aller au niveau des nurseries, on va voir dans une passe, on va voir plein de requins, on va voir des bébés, on va voir des adultes. Très bonne chaîne YouTube. Huitième chaîne YouTube, LigioProd, chaîne que j'ai déjà jugée récemment, chaîne propre et complète, les vidéos se laissent regarder, évite de filmer en vertical, j'ai bien aimé le concept de la vacherie, mon parfois de fluidité, mais une très bonne chaîne, je m'abonne à la chaîne, mais fais attention à bien rendre plus fluide tes vidéos et à rajouter des animations, ça serait plus sympa, je te laisse un 8 sur 10.
Debout. Oh putain. Allez. Oh. Oh, qu'est-ce que tu fais chier comme allez, ça là, non. On va pas dormir jusqu'à 13h, hein. Oh putain, chiant, toi. Neuvième chaîne YouTube, Mail Game. Chaîne propre et complète, évite d'avoir le nom du logiciel sur tes vidéos. Dommage que tu ne parles pas dans toutes tes vidéos, pense beaucoup plus à parler. Mais ce qui est bien, c'est que tu rigoles souvent, tu donnes du dynamisme, c'est pour ça que parle plus. En montage, tu te débrouilles, après dans les let's play, tu peux pas trop en faire, tes vidéos se laissent regarder. T'as quelques défauts, mais courage, ça va se dissiper, je te laisse un 7 sur 10. Dixième chaîne YouTube, Titanium Zoner. Travaille plus ton tableau de bord, à faire une description, à mettre des liens sur les réseaux sociaux, miniature à refaire et le titre aussi, pas de montage, manque de punch, de dynamisme, où on a l'impression que ta chaîne est ton disque dur externe. C'est dommage, plein de défauts, tu interagis pas assez avec tes abonnés, tu sais ce qui te reste à faire et je te laisse un 1 sur 10. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les autres parties arriveront très rapidement, merci à tous et à la prochaine pour des jeux Juvochaine, du coup la partie numéro 45, à plus les gens.